Yo tout le monde, c'est Adrien Thomas, bienvenue dans une nouvelle vidéo du... Chaque producteur utilise ce qu'on appelle des banques sons. Et il y en a une qui était particulièrement attendue par sa qualité et par le nombre de samples qu'il y a à l'intérieur, c'est la banque de Cashmere, Sounds of Cashmere, volume 3. Alors les deux premières banques étaient déjà exceptionnelles, mais là je crois qu'il a rajouté 3 voire 4 fois plus de samples dans cette nouvelle banque. C'est une vraie mine d'or pour tous les producteurs. Et aujourd'hui, je vais créer un titre avec uniquement des sons de la nouvelle banque de Cashmere pour vous montrer à quel point cette banque est très riche et vous permet de faire beaucoup de choses. Alors donc dans la banque de Cashmere volume 3, voilà, on a donc plusieurs catégories. Il y a drums, drums loop, fills, FX element, live instruments, song starters, synth, VIP friends of Cashmere, ça c'est des amis à lui du coup hein, qui ont fait des samples, vocals et word sounds. Donc c'est très complet et dedans à chaque fois, voilà, si on va par exemple dans drums, il y a plein de sous-catégories. Il y a acoustic drums, beatboxing, clap, cymbales, drum enhancer, kick, orchestral drums, percussion, etc. etc. Voilà. Donc voilà, vous pouvez aller l'acheter sur Splice et franchement, vous ne serez pas déçus. Alors évidemment, l'idée, c'est pas tout le temps de faire que des titres avec une seule banque. Là, je fais une vidéo pour juste vous montrer et je trouvais l'idée cool de se dire tiens, on prend une seule banque et on va essayer de faire un titre avec une seule banque son et je ne vais pas aller chercher ailleurs. Voilà, pour montrer qu'il y a vraiment tout de nécessaire là-dedans pour faire un titre. On va aller chercher un kick, on va aller dans un truc classique. Voilà, on va prendre un petit kick en F. On va mettre notre kick ici. Ensuite, on va aller chercher, tiens, on va aller chercher dans les synthés là. On arrive dans les synthés et donc on a les basses psytrance. Voilà, alors. On va peut-être tendre un truc là-dedans, ça peut être pas mal. Voilà, on va le mettre ici. Ça peut être pas mal. Je pars sur une note en F, hein. J'aime bien ce petit piano, il est plutôt sympatoche. Et si on met ça sur le piano, ça donne quoi? Ah, c'est pas mal! C'est pas mal, on va faire un truc très EDM, hein, puisque Cashmere, ça reste quand même assez EDM. Franchement, j'adore ces mélodies à Cashmere. Là-dessus... Ça, non. On va peut-être trouver un petit snap, peut-être là-dedans, un petit... La montée ici, enfin la montée EDM classique, hein. Je vais aller chercher un petit vocal. Dans vocal ici, ethnique, les vocaux sont fous quoi, vraiment, il y a des dingues. Alors. C'est vrai que ça fait vraiment Cashmere. Si vous connaissez un peu Cashmere, il nous a donné les clés pour faire un titre pour lui. Hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre en vocal? C'est joli ça, oh là là. De toute beauté, hein. C'est de toute beauté. Camilou, il dit? Europe, qu'est-ce qu'on a en Europe? Bonjour. Ah ça c'est génial, le bonjour. Ah il va partir avant le drop. Ça je vais mettre ça en fond. Downtown en fait c'est un truc Paris, je sais pas, un truc des fixes de Paris. Ça sera très bien en fond, tu vois genre. Ça va être génial. En fait, il me manque juste... Alors, on va mettre les FX maintenant. Les FX... Alors, il y a des animaux. Un petit éléphant, tiens, pourquoi pas. Donc, il y a un éléphant.
Il y a une personne qui dit bonjour. Ça va être génial cette production. C'est une petite slide peut-être. Drop clap. Bon, il me faut ma basse. Ma basse, ma basse, ma basse. Where is the contact? Ok, la petite basse qui va bien. Il est bien ce bonjour. Il est très bien. Hein. Bonjour. Et il nous manque le drop. Ça, ça me plaît pas mal ça. Bonjour. J'ai peut-être une idée. Alors, est-ce qu'on n'a pas des petites percussions là qui vont peut-être nous aider à stimuler un peu tout ça? Bon, après quelques recherches et quelques minutes que j'ai avancées parce que la recherche de son et tout, c'est très long. Voilà, j'ai réussi à faire un petit truc un peu sympa. Je vais finir les arrangements, mais pour le moment, voilà ce que ça donne. Voilà, j'espère que ça vous aura plu, c'était un petit défi que je voulais me lancer sur la chaîne, faire un track avec une seule banque son. C'est difficile parce qu'il faut vraiment aller chercher les sons, vraiment on travaille que avec du sample, donc c'est un peu particulier, mais voilà, ça valait le coup de le faire. Si vous kiffez cette banque, allez l'acheter, elle s'appelle Sounds of Kashmir Volume 3, elle est exceptionnelle. Voilà, l'idée c'est pas de faire, encore une fois je le redis, des tracks que avec cette banque. Cette banque, elle doit servir justement à prendre un kick, à prendre une snare, un petit truc, etc., etc. Voilà. Là, et puis en plus, vous vous rendez compte que c'est quand même super difficile de faire un son un peu sympa avec une seule banque. Voilà. Si ce n'est le break où j'ai pas foutu grand chose, j'ai mis deux synthés, deux boucles, et voilà, ça faisait l'affaire. Donc voilà, j'espère que vous avez kiffé. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo dans le DJ Boost. Le track, il est en téléchargement gratos dans la description, juste en bas. Si vous kiffez, vous vous abonnez à la chaîne et puis faites tourner à vos potes aussi. C'est sympa. À très vite, ciao. Bonjour.